bien le bonjour. Alors l'an dernier, je voulais vous faire un calendrier de l'Avent et j'ai pas eu le temps. Donc cette année, je m'y prends un petit peu plus tôt. Là, on est mi-février en fait, pour tout vous dire. Je suis en train de filmer la première vidéo de ce calendrier. Je suis en train de faire un timelapse là d'un coucher de soleil. Aujourd'hui, il faisait beau, je me suis dit que le coucher de soleil pouvait être sympa. Du coup voilà, je me suis lancé dans un timelapse et ça sera donc je me suis dit je vais en profiter pour prendre de l'avance et tourner ma première vidéo du calendrier de l'Avent. Donc tous les jours à 18h jusqu'au 24 décembre évidemment, vous allez avoir une nouvelle vidéo, ça va être complètement aléatoire. Je n'ai pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, absolument aucune idée de ce que va comporter ce calendrier de l'Avent. Il y aura certainement des vlogs, des petites anecdotes astronomiques qui sont sympas mais trop courtes pour faire un épisode quelconque, des timelapses, des photos commentées, je sais pas. On verra. Du coup, pour cette première vidéo, je vais vous donner un petit fun fact astronomique. Vous voyez là derrière moi, juste sur l'horizon, cette bande bleue avec une bande un petit peu rosée au-dessus. Ben, cette bande bleue, c'est l'ombre de la Terre. Voilà. Quand vous voyez dans un coucher de soleil une bande bleue, après que le soleil se soit couché, qui se lève doucement sur l'horizon, cette bande bleue, c'est l'ombre que la Terre projette à travers l'atmosphère avec le soleil qui est couché de l'autre côté. Alors évidemment, cette ombre va monter doucement, englober le ciel, et quand elle aura englobé tout le ciel, il fera complètement nuit. Et ça signifie aussi que là, on est en train de doucement passer le terminateur de la Terre. Donc petite interruption pour invasion intempestive de touristes, désolé. Donc comme je disais, le fait qu'on voit cette ombre arriver et qu'elle va doucement envahir le ciel, ça signifie aussi qu'on est en train de passer le terminateur de la Terre. Alors deuxième info pour cette vidéo, pour ceux qui auraient loupé mes précédents épisodes, le terminateur, ça n'est pas un robot de l'avenir venu nous détruire, c'est la limite, c'est une ligne virtuelle entre la zone jour et la zone nuit des astres tournant autour d'une étoile. Donc les phases de la Lune, typiquement, c'est quand on voit le terminateur de la Lune, on voit une partie nuit, une partie jour. Et sur Terre, quand le soleil se couche, fatalement on passe le terminateur de la Terre et on tombe du côté nuit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.